Hey yo, Jim, man, won't you kick some of that, you know? You know how you do it, man. It's a trip, people don't even believe we're together right now. But tell your story, you know the one I like. Say it for me. Riders on the storm. Hey, c'est Comte Diabo et on se retrouve pour l'épisode numéro... pas le 8, ça sera un épisode spécial parce qu'on va aller taquiner de la galinette cendrée. Non, c'est pas du tout ça. On va aller surtout... Oui. On va surtout, en fait, cet épisode spécial parce qu'on va s'occuper de récolter tout ce qu'il y a sur la map. On va faire du freeride. Essayer de récolter tout ce qui est pièces, donuts, photos. Et j'ai oublié un truc, je crois, les urbex aussi, là, les tags. Voilà, comme ça sera fait ça. Et puis du coup on aura plein de pièces gratuites aussi. Ça pourrait être pas mal. Voilà, puis si jamais on croise des joueurs, etc. On jouera un petit peu avec eux. On est ready. Alors, on va reprendre la Mustang. Bon, c'est vrai qu'on avait claqué pas mal de thunes, je crois, la dernière fois, ou je sais plus. Donc on va prendre la Mustang pour se balader, hein. Je préfère la Mustang que la BRZ. Donc, j'ai rien de modifié pour l'instant, vu que voilà, la dernière fois, on n'avait pas tellement de thunes que ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait fait quelques missions. Donc là, déjà on va faire du freeride, on va essayer de tenter des défis aussi quotidiens. Donc, je crois qu'il faut faire 3000, j'ai vu tout à l'heure, il faut faire 3000 mètres de drift. Je crois qu'il faut faire une poursuite et tenir 15 secondes en l'air. Voilà, je pense qu'en se baladant un peu sur la map, on va trouver les rampes, les drifts et les flics. Hein. Et tout ça rapporte de XP et des vinyles aussi, des nouveaux vinyles. Donc bon, ça sera ça, toujours ça de plus. En plus, hop. Par contre, on n'entend pas grand chose. YouTube dit bonjour à Twitch, Twitch dit bonjour à YouTube. Ouais, je vous la main. Ça va au niveau du son, sur mon moteur. Parce que moi je mets pas la musique, hein, pour les copyrights. Bon, ça, vous savez depuis le début, pour ceux qui suivent le live, enfin le SP, hein, le live aussi. Bon, voilà. Alors, on va utiliser du coup pas mal de fois la map pour essayer de trouver les points. Donc ça, c'est quoi? C'est chaman. Ouais, c'est quoi ça? Curbex, non? Je sais pas. On va voir ce que c'est ça. C'est plus sur la carte, donc ça veut dire que j'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait, c'est pas indiqué sur la carte dans le jeu. Là j'ai une pièce, alors par contre c'est con parce qu'on n'a pas les pièces bizarre, ça, c'est un peu bugué je trouve, je crois. Il y a des trucs qui sont validés, d'autres non. Puis on va les revalider, hein, les trucs indiqués sur la map alors que je les ai validés la dernière fois. Enfin bref, on va tout faire, hein, donc. On l'avait déjà ramassé, mais tant pis de toute façon. Voilà, on va parcourir un petit peu toute la map, comme ça au moins on la découvrira de bout en bout. Allez, par contre, il y a une photo qui est affichée sur la map. On l'a pas faite. Allez, hop, dans le mur, enfin dans l'arbre. Ville de Ventura-Bay, c'est bien Ventura-Bay, voilà, la ville de ce NFS, bref, on est parti, let's go, les amis, allons-y les amis, let's go, c'est parti, bon. Après, voilà, on va couvrir un petit peu toute la ville, il y a donuts là-dedans. C'est un départ arrêté, ça. C'est contre la montre, il faut s'arrêter, partir. Un peu comme dans The Crew, hein, les défis, à réaliser. Bon, on va continuer, hein. Moi, je me fie à la minimap là comme ça. Ouais, on va aller dans les collines. Hop. Ah bah là, il y a un truc urbex qu'on n'a pas fait.
voiture. Ok, le geek sans la voiture. On va avec juste l'image du jeu, on va faire une miniature avec, avec une photo à chaque fois. Arrivage de pièces, ah, je passe niveau 22, c'est ça, 22 ou 23. Là on a une pièce. Embrayage, ok. Tranquille, ça se passe tranquille les virages. Même si j'ai toujours les aides activées, hein. Je sais pas encore désactiver pour le drift. C'est un peu con. On va passer par là, hein. Faire un petit peu tout le tour. Ah mais j'ai compris, c'est le jeu de mots avec le donut, le donut, et le donut, tu vois. Désolé hein, pour cet épisode là, je la vois qu'il part un peu dans tous les sens, ça. J'ai dû choper un coup de froid un coin, avec le changement de température entre le chaud et le froid, enfin. Bref, j'espère que ça ira mieux la prochaine fois. Encore un donut, des pièces, une photo, bon voilà, et tout, les trois trucs. Orange et chocolat. Comme ça, ça sera fait tout simplement. On pourra se concentrer sur le solo et les courses. Le nitro, ok. Par contre, les pièces qu'on récupère, c'est pas forcément les meilleures. Je crois que je fasse gaffe. Donc voilà, partir par là, je pense. Un joueur, enfin. Des IA, ça, c'est des IA. Je suis déjà passé par là. Ça c'est des zones de time attack, hein. Faut s'arrêter. Par contre je suis de la merde. Défi quotidien, ah. J'ai emporté un défi quotidien, je sais pas lequel, on va voir. Hop. Ouais. Ah, je crois que c'était le drift, hein. Appuyer faire ou échapper une poursuite en moins d'une minute 30, ça c'est simple. Bon, on monte, ça n'est pas nous. Thank you.
Hop. Voilà, café crème. Ensuite, vous allez être en haut. Hop. Ok, rétro hôtel Steel Street 2, je sais pas, je crois que c'était Honda NSX, non? De toute façon, on le verra dans le garage, tout ça. Après, je suis pas chaud pour acheter une Honda juste pour, un, pour une aile. Hein. Je vais faire pour la cuisse, moi. Voilà. C'est quoi ça? C'est un garage. Paye ta, ton angle de vue, hein. C'est une putain de photo. Bon bah c'est bien parce que là c'est, ça se lève un peu mais bon. Toujours l'ob hein. Ce show il fait pas jour. Ouais, on sait pas s'ils sont validés ou pas les trucs là à chaque fois. C'est un peu mal fait ça. Bon, on descend là, donc là il y a une pièce par contre. Hop, lumière d'émission de Lotus. Ok, bon. Sachant que je crois qu'il y a que la, la Lotus 6 dans ce jeu. Dites-moi en commentaire, hein, enfin, dites-moi si vous voulez une voiture spécifique que j'achète. Une voiture que j'achète spécifique. Ça c'est fake. Moi j'étais parti dans l'épisode précédent sur la Evo 9, mais je peux changer. Hein. De toute façon, il y a 5 places. Et puis la BRZ, je pense pas que je vais la garder. Hein. La garderai jusqu'à la fin. Donc, en gros, il y a 4 places quoi. La Mustang, je la garde, ça c'est sûr. Après, il y a que d'autres, il y a 4 places de dispo. Donc, moi, si vous voulez une voiture spécifique, comme un. Hop, hop, hop. Voilà, voilà. Bon, je pense qu'on fera 2 épisodes parce que là, ça va. Déjà 20 minutes, enfin, non, 10 minutes. 10 minutes, ça va. J'exagère, ça fait que 10 minutes. Genre, c'est live était 15, donc je fasse la vidéo partie était 20. Ça fait un petit quart d'heure. On va booster jusqu'à 3 quarts d'heure, hein. Ils sont là, on n'a pas le choix. C'est de tout trouver. Bah ouais, par contre, on va pas trouver grand chose en faisant ça. Hop. Ah oui, faites demi-tour pour la course ici. La course. On les fera toutes hein, au bout d'un moment. Hop, photo envoyée. C'est de l'autre côté, ok. Mmh.
Hop, échangeur, ok. Un donut. Voilà, ganache coco. Ah ouais, t'es un champion, ah ouais, je suis un champion, ouais. Tellement un champion que on s'en dort un petit peu, mais bon. Voilà, là je suis un champion parce que c'est la fin du truc. La fin des rails. Enfin, la fin des rails, non, il y a juste une barrière, je sais pas pour qu'ils ont mis une barrière. On est où là, au niveau de la map. Ok. Ok, ok. Pas plus maintenant. Ouais. J'ai l'impression que tout ce qu'on voit en fait là en photo, tout ça, c'est ce que j'ai fait. Hein. Parce que j'ai pas l'impression que ça soit. Ah, rien. Je sais pas si c'était censé être une extension, ça. Parce que. On voit des routes là. On peut y accéder. Alors genre là il y a des routes, là il y a quelque chose aussi. Surtout là, ici il y avait une grande zone là, mais bon. Il n'y a pas de route, il n'y a rien. Bon, de toute façon, hein, voilà. Ouais, il me semble que voilà, c'est tout ce qu'on voit à l'écran là, c'est ce qu'on a déjà trouvé, je pense. On a déjà trouvé. Les trucs en vert en fait c'est des missions, épreuves, cibles, vector. Ouais, c'est bien, il me semble. Déjà tout ce qu'on voit là c'est ce qu'on a pris, donc nous on est là. Hop. On va partir de l'autre côté. Hein, voilà. Oui, s'il donne la position, ça serait trop simple. Non mais le fait que quand on a on a un truc, c'est ça soit validé quoi. C'est tout simple, ou grisé ou. Voilà. C'est un peu con parce que voilà, on les voit, mais on. Voilà, faut deviner que. Ouais, sur la map, c'est ce qu'on a trouvé. Ah, bah, défi quotidien. C'était un défi quotidien de. Vraiment simple, hein. J'ai déjà pu en moins de 1 minute 30. Bon, j'ai mis même pas 10 secondes. Et enfantin. Bon. Sur l'autoroute du coup, comme ça on va manger de petit écart. Ah, il y a un deux, il me semble. Ah. Après, ouais, si j'en loupe un ou deux, hein, on le fera pendant la campagne, hein, c'est pas pendant le saut, c'est pas très important, mais bon, voilà, au moins faire le maximum de choses. Voilà, au niveau de la map, je suis en autre depuis tout à l'heure. La rocade en fait, là que je suis sur la rocade. Le périph. Hop, on va essayer de quitter ça. Hop, on va traverser le pont comme ça. Ça sera fait. Hop. Non, c'est pas un donut, c'est un truc de flic ça. Et le poste de. Commissariat, danger public. Ouais, je suis un danger public. Même un drifter.
partie de l'infanterie, moi. L'infanterie du drift. Bon, par contre, je me suis planté. C'est à droite ou à gauche? Non, je reviens sur mes pales. LOL. Ah, bravo, c'est toi qui me déconcentre, hein, parce que je lis ton message et du coup, je vois pas la route. Ta faute. Kabuto Sensei. Steve Manu. Yo, tu viens arsouiller avec nous sur les hauteurs? J'ai pas de nouvelles d'Emi, mais viens quand même. Y'a moyen de délirer. Ouais, ouais. Il a l'air de délirer souvent, lui. Je suis mon maître, ouais. Bon, allez. Sans là, on est en sens là depuis tout à l'heure. C'est un serveur de tout à l'heure. Tant mieux. Oui, c'est ce que j'ai dit, t'es mon maître. Ah, je suis ton maître. T'es mon centimètre, moi je suis ton maître. Juste en roulant, mais... différentiel réglable. On va partir par là. S'il y a quelque chose ici, mais bon. Ah bah il y a de bien sûr à jeter là. Hop. Oui, de l'ange. Hop, on va en face. Rien. Voilà, on a déjà fait la photo ici. Donc on est sur la map. Ok. Il y a Robin. Comme une panta. Comme de par hasard. Les courses nommées. Et les pseudos des youtubeurs. Ici, après on va aller de l'autre côté du coup, on va... On va rouler dans le coin, on va essayer de trouver des trucs. Ah bah on va prendre ce passage là. Alerte, alerte, stop lag. Et le clignotant. Et ma main dans tes dents. Non. Ça dit pas ma main dans tes dents. Drift. Et même les courbes de drift, en fait, c'est les collectives, pardon. Enfin, les collectives. À faire quoi. Ok, donc on arrive là, on est là sur la map. Ouais, en fait y'a rien ici, peut-être là limite. On va faire demi-tour et puis on va passer de l'autre côté. Hop, tu clignotes avec tes oreilles toi. C'est censé être drôle ce que tu dis ou... dans les commentaires sur YouTube, hein. Est-ce que c'est drôle de dire tu clignotes avec les oreilles toi? Oui, la blague en fait.
Where is the Jock? Ok, une pièce ici. Ok, un rail, surtout. Juste en face, hop. Un paramétrable, ok. C'est bon, des trucs à config. On va peut-être pas aller par là, je sais pas. Là, à mon avis, ici, il y aura des trucs. Hein. Même là. Ça va la détention. Dommage qu'on n'est pas aussi comme dans. En Test Drive Limited, hein, la découverte des routes. Ça, ça nous aiderait un petit peu à voir quel endroit on n'a pas passé. Quelle route on n'a pas passé. La voiture se répare toute seule ou pas? Un petit peu, mais après il faudrait passer dans une station service pour la réparer. Enfin un petit peu, je suis même pas sûr, hein. Ça répare en fait. Hop. Ah bah il y a une photo à faire là-bas. Bon c'est de l'autre côté. Et je peux pas y aller là. Elle aurait fait mieux en fait. À de l'autre côté. Truc verrouillé là pour l'instant. Débrouillage niveau 25. Une histoire pour débrouiller. Okay. Ça doit être les trucs. Les missions les plus difficiles, les courses. Les courses pour devenir PGM. Mais bon, c'est tellement simple. Pas comme dans The Crew. Non, dans The Crew, on découvre pas les routes, hein. On découvre la map. J'ai pas assez dormi, je parie un petit peu. Bon, ça va finir comme cet épisode, donc ça fait déjà ouais, une demi-heure. On fait encore 2-3 collectifs, puis on va s'arrêter là. Je ferai un épisode 2 un peu plus tard. Pas en suivant, hein, on va continuer l'histoire après. Donc pour les décrire, voiture. Non, ouais, dans The Crew, non, c'est vrai que c'est pas le meilleur truc. Hein. Voilà, ensuite, continuer. Je trouve que ouais, la map est plutôt pas mal. Hein. Là, il y a des formes de variété de ce virage, de environnement de virage, tout ça. Ça rappelle un petit peu petite. Dépopotée, mais bon. Voilà, Choco Copo. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Désolé, hein. Désolé. Je sais pas, on me met normal là. Et dormi 3 heures, je crois. Je me suis couché, c'était 3h du mat, je me suis levé, c'était 6h30. Le grand ouvert. Du coup, bah, j'en ai profité pour finir le tableau de Trackmania. Voilà, ce que j'ai fait aussi comme truc intéressant cet après-midi, enfin ce matin. Niveau, dans la serveur, j'ai continué à chercher un petit peu pourquoi je pouvais pas accéder à ma petite panel admin. Voilà, continuer à chercher un peu. Pour l'instant, j'ai pas trouvé. Hein. Je comprends pas pourquoi. David, apparemment, c'est activable de base. C'est où là? C'est là? Non, je crois que taillé dans le marbre. Ah ouais, ça fait un visage. Pas mal ça. Not bad bro. Donc oui, ce que je disais, oui, ce matin, bah voilà, j'ai fait ça. Donc le tableau pour Trackmania, hein, pour la WTC. J'ai même mis les règles dans la première page. Voilà. Donc, la première feuille, c'est les règles. La deuxième feuille, c'est les scores pour la saison 1 et puis après vous avancerez dans les feuilles, puis ça sera pour les autres saisons, etc. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, voilà, c'est sur Trackmania. Bon, ça n'a rien à voir avec
Need for Speed, mais bon, faut bien que je parle un peu, hein, parce que sinon, si je parle pas, ça va être vite tout lent, ça va être vite skip, je pense. Il n'y a même pas de musique, rien. Et Randek, les Randek, ça me fait signer. Yabutu, il a fumé du. Parce qu'il a fumé, mais. Ça devait pas être bon, hein. Et les AR, c'est des défis. Ouais, c'est des défis que je dois faire. Quotidien, les trucs proposés là, je crois. Je sais pas si ça fait des bonus de fric ou pas. Enfin, on verra pour le prochain épisode. Là, on va s'arrêter là. Hein. Je trouve encore un truc et on va s'arrêter là pour cet épisode là. Je sais pas non plus que ça dure 107 ans. Hein, tant pis, on fera le reste des collectibles. Passons on continue les courses. Puis si on fera un deuxième épisode un peu plus loin dans le let's play. Hein. De toute façon, il n'y aura pas non plus 36 000. Hein. Je pense qu'on va finir par tous les avoir sans trop non plus se casser la tête, je pense. Ouais, j'espère en tout cas. Bon, là je suis ouais, dans la mauvaise direction en fait, hein, parce que je retourne là où on est allé. Après, l'idéal, ouais, bah, après on a tout découvert pratiquement, parce que enfin, tout découvert. Bah, disons qu'on est passé par là, quoi. On est passé par là, déjà passé par là. Donc au final on va sortir là, on va revenir par là. Il y a peut-être cette zone là qu'on n'a pas. On n'a rien trouvé ici, donc il y a sûrement quelque chose. Cette zone là aussi, que je n'ai pas encore totalement exploré. Donc on va bien voir. Et après bah après c'est sûrement dans les collines, non, encore dans les montagnes qu'il y a des trucs. On rend la drogue aux abonnés, fume gâteau. Lol. MTR et PTDR. Je crois que c'est après. Bon, je ferai la pause, je ferai une petite sieste, je crois, hein, parce que là je suis un petit peu pété. Pas dans le sens d'avoir bu, hein, c'est surtout dans le sens où j'ai pas assez dormi. Hein. Donc, on va faire la photo là-bas là. Je me disais bien qu'il y avait des trucs qu'on avait loupé ici. Hop, voilà. Ah ben, il y a un truc urbex après. Comme ça sera fait. Toi, t'es trop marrant. Oui, il a gagné un max de rep. Ouais, j'ai gagné un max de rep. Boah, destruction x3, j'ai gagné un max de rep. On a reçu un nouvel arrivage de pièces. S'il faut, je les foutrai sur ta caisse. Comme ça. Qu'une excuse. Pour ne pas gagner la course. Voilà, c'était Nain qui était acide sur Need for Speed. Et moi, c'était Diablo. Je vous dis ciao, à la prochaine. L'épisode 8 sort dans peu de temps. Voilà, sûrement demain ou dans la soirée, on verra comment je me débrouillerai pour les rendus tout ça. Bref, à tout à l'heure, à ciao, à Pastamalak Mondgrando, ça veut rien dire. Mais bon, si vous avez. Compris, hein, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager toute cette merde et surtout à laisser des commentaires, voilà, tout ce que je vous demande de faire, voilà. Merci, voilà, et je vous dis, voilà, à la prochaine, voilà. Ciao Mina, ouais, ciao Mina, comme dirait Kabuto Sensei, là, Kabuto avec un C, hein, c'est même pas écrire correctement Kabuto, désolé, bref, allez, ciao.